Tout ce qu'on voulait, c'était prendre le plus d'avance possible par rapport à Loyal. Nous ne voulions vraiment pas nous retrouver dans la même situation que l'année dernière. Et nous étions en moyenne 10% plus rapides qu'eux pendant toute la course. C'était vraiment satisfaisant, les garçons poussaient tout le temps et tout à coup, le record est apparu. Nous nous sommes dit que nous avions une chance de remporter la course. Jusqu'à la ligne d'arrivée, ça se passait bien, mais c'était léger. Et on s'est dit, oh mon Dieu, on pourrait s'arrêter juste devant la ligne d'arrivée, comme ça a déjà été le cas, et perdre. Mais finalement, nous sommes arrivés, alors c'est génial. 6 victoires, je dois dire que je n'y aurais jamais pensé quand nous l'avons fait pour la première fois en 2005. C'est arrivé, vous savez, il y a de bonnes chances pour que nous allions jusqu'à 7 un jour. C'est un record qui date des années 40 ou 50. Il n'y a qu'un seul bateau qui a 7 victoires.